Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous savez que je n'allais pas rater le discours tonitruant du ministre togolais des Affaires étrangères. J'ai beaucoup critiqué par le passé, et Yadema, le président, et sa politique, ce qui va de soi, parce que ça fait trop longtemps que la famille Yadema est au pouvoir, mais depuis un certain temps, avec le ministre Ducé, on constate un léger revirement de la politique togolaise, notamment en ce qui concerne les affaires internationales. J'espère qu'il va faire des progrès aussi au niveau interne pour mieux s'occuper des populations et arrêter de piller et tuer, foutre en prison des pauvres innocents. Ceci dit, le discours du ministre Robert Doucé était excellent, fantastique. Je ne veux pas reprendre tout le discours comme celui de, comme je l'ai fait avec celui du ministre Bassolma. Parce que celui du ministre Bassolma, c'était du début jusqu'à la fin, c'était juste des bombes, des obus qui tombaient, et donc tu n'as même pas, tu n'as pas besoin de retirer quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai préféré vous faire écouter tout le discours pour que vous-même vous puissiez faire vos analyses et puis commenter. Mais ici, je veux vous prendre seulement les parties que j'ai trouvées nécessaires. Plus importante, mais qui englobe un peu tout ce qui concerne le combat des panafricanistes, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et notamment vis-à-vis de la France, et même des États-Unis. Le ministre Doucet nous a fait savoir qu'il a été clair là-dessus. Le Togo n'interviendra jamais au Niger. Le ministre Doucet a dit le Togo n'a pas la culture. Il a rappelé, le Togo n'a pas la culture d'intervention dans d'autres pays ou de fabrication des terroristes pour aller attaquer d'autres pays ou des fabrications des rebelles comme le Mali, plutôt le Burkina Faso, au temps de Blaise Compaoré faisait. C'est-à-dire que tous les rebelles, Guillaume Soro était formé où? Avec son armée. Guillaume Soro était formé au Burkina Faso. Je crois que Guillaume Soro, le jour qu'il décidera de dire maintenant la vérité à ses compatriotes, aux peuples africains, à la jeunesse africaine, il vous le dira que c'est Compaoré qui l'a nourri. C'est la France qui l'a entretenu via M. Compaoré. Et il sait d'où ça venait. Il sait que c'est la France qui était derrière. Il ne le dit pas parce qu'il a peur. Eh oui. Vous savez, quand vous avez pactisé avec le diable, vous payez le prix. Mais le Togo n'a pas ce genre de politique. C'est vrai, ça a toujours été une dictature forte, mais la politique d'aller attaquer d'autres pays, à ma connaissance, le Togo ne s'est jamais illustré dans ce sens-là, comme aujourd'hui on voit le Bénin qui veut absolument faire la guerre au Niger parce que la France le demande. Donc le ministre du C dit non, nous on n'est pas dedans.
C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que Emmanuel Macron puisse être obligé d'arrêter, d'agresser le Niger, de menacer d'agression et de retirer ses mercenaires qui sont au Niger, y compris l'ambassadeur, hein, bien entendu. Hein? Mais écoutez ce que dit le ministre du C, en plus, ce qui concerne justement pratiquement tous les pays occidentaux et les pays de l'OTAN. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elles complexifient généralement la recherche des solutions de crise et fragilisent les initiatives de solutions africaines des crises africaines. Ce qui est tout à fait évident. Aux problèmes africains, solutions africaines. Or, nous avons constaté, depuis tout le temps d'ailleurs, que chaque fois que nous avons un problème, c'est la France qui vient se présenter pour venir apporter des solutions. Et elle apporte toujours des solutions tordues. Des solutions, elle est tout, mais surtout avec Emmanuel Macron, sont toujours hors jeu. Vous avez vu au Mali, au Burkina Faso, pourquoi le terrorisme s'est aggravé. Et mais c'est à cause de la France et ses alliés, les États-Unis. Oui. Quand la France est venue avec Barkhane, qu'on appelait d'abord Serval ou quoi, mais le terrorisme occupe à peine 5%, 10% du territoire malien. Et il n'était pas encore au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est passé 8 ans après? 80% du territoire était en danger. Et le Burkina Faso, 60% de son territoire était occupé. Parce que la présence française et américaine et otanienne, je veux dire, aggrave la situation. Et c'est ça que le ministre Dussé est en train de nous expliquer ici. Il est en train de dire que non, les ingérences là, le fait que nous avons nos problèmes, vous venez pour nous apporter des solutions, mais vous venez seulement pour aggraver. Et les solutions que vous apportez, ce ne sont pas des solutions africaines. Quand c'est la France qui dit, nous voulons le Mali, il faut sanctionner le Mali, le Niger, il faut prendre des sanctions, embargo immédiat, même pour les médicaments. Vous voyez le degré de cruauté, même les médicaments. On demande au Nigeria de couper l'électricité dans les hôpitaux, là. Les enfants sont morts parce qu'il n'y avait pas d'électricité. À la demande de qui? D'Emmanuel Macron. Des Africains tuent d'autres Africains pour faire plaisir à un Européen. Celui-là qui nous a pris en esclavage, nous a colonisés. Voyez un peu que c'est ridicule, c'est grave ce qui est en train de se passer. Bref, le ministre Dussé continue. Donc, ces ingérences-là ne sont jamais les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. Ah oui, le problème aujourd'hui que nous avons, et c'est ce que nous remarquons essentiellement dans le Sahel, vous avez encore d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville et autres, qui continuent, même l'Afrique du Sud, qui continuent à venir en Occident pour dire, donnez-nous l'argent pour protéger nos forêts, donnez-nous l'argent pour les transitions énergétiques. Prenez le cas d'un pays comme le Congo. Le PIB du Congo, là, 80% là, vient de l'argent du pétrole. Écoutez, le PIB du Congo, là, 80%, c'est l'argent du pétrole. La France vient vous dire, non, vous devrez changer de politique. Vous devrez mener une politique énergétique. Vous devrez aller vers la transition énergétique. Donc, arrêter d'utiliser les énergies fossiles, c'est-à-dire arrêter d'exploiter votre pétrole. Laissez-nous exploiter le pétrole. Vous devez chercher d'autres énergies. Mais si le Congo arrête d'exploiter le pétrole, 80% de son budget, là, du PIB, de son budget, vient du pétrole. Donc, le budget du Congo là, sera amputé de 80% de revenus. Est-ce que vous croyez qu'un pays comme ça peut s'en sortir? Même si, à supposer, que les Américains et les Français sont gentils, ils disent que bon, on va donner au Congo 2 milliards ou 1 milliard 500 000, parce qu'ils demandent 100 milliards pour toute l'Afrique, hein? 100 milliards. Donc, si on divise ça par 54, ça fait 1 milliard 500 par chacun ou 600 par pays.
Mais est-ce que vous croyez que c'est ça qui va développer le Congo? Le Congo pourra s'en sortir? Non, c'est pas possible. Donc, il faut une autre politique, une politique qui doit être plus juste. Et c'est pour ça que le ministre vous ajoute, l'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. Tout est dit là. Le ministre, ça dit que à la tribune des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères togolais a été clair. Il demande à la France de ne plus se mêler dans nos affaires. Parce que vous savez, la CEDEAO, les décisions que la CEDEAO a prises dernièrement pour le Niger, c'est dicté par la France. Au point où les Africains n'ont pas réfléchi. On ne nous laisse même pas le temps de réfléchir. Et vous savez quelles sont les conséquences? C'est pour ça que vous avez vu que Tinubu va maintenant dire non, je ne veux plus entendre parler de la guerre. Je ne veux plus entendre parler de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il sait. Parce qu'après, on lui a rappelé, mais regarde comment nous faisons. Tinubu aujourd'hui a même honte de partir, d'aller, de se rendre au Niger. Il a honte. Il a honte. Il a honte d'aller, de se rendre au Niger. Parce qu'il sait que s'il part au Niger, on va lui dire, mais écoute, mais c'est ce que tu aurais dû faire depuis très longtemps. Tinubu, là, c'est un père pour nous. Donc, une situation qui est catastrophique au Niger, la première des choses qu'il aurait dû faire avant de prendre des sanctions, c'était de se lever et de partir au Niger, voir Tiani, lui demander, mais oh, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? On devait le lui expliquer. Et c'est là même qu'il devrait sortir de... Il devait même être sortir de là grandi. Mais Tinubu est sorti de là amoindri, affaibli, comme un clown. On a sorti sous son dossier que c'est un drogué, un trafiquant, à cause de la gestion qu'il a mal faite. Alors qu'il avait eu une occasion en or pour grandir, pour sortir de là comme étant le maître de la situation. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc le ministre Dussé a raison et sur la ligne droite du panafricaniste. Et j'espère que son président va le soutenir dans cette politique. C'est ce que j'espère. C'est vrai qu'il y a des prémices, mais il faut que, par dans les faits, qu'on puisse le constater. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à ma lèvre. Encore, bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent ou le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.